Alors, coucou tout le monde, on se retrouve ce soir pour la vidéo du montage du Lego. Donc voilà, je vais ouvrir les sachets, je vais mettre les Lego sur les côtés. Alors désolé du coup pour le bruit. Hop, 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 voilà, j'ai tout mis sur le côté et on va construire. J'espère que vous voyez bien. Donc là, il me faut la grande plaque. Alors, les gris. Donc, tac, hop, je vais mettre là. Après, c'est pas trop facile de parler en même temps qu'on fait du Lego, mais on va y arriver. Alors là, on me dit qu'il me faut ça avec un bitonium. Donc pour rappel, c'est des Lego que j'ai commandé sur AliExpress. Donc c'est même pas la marque Lego. Ça vient de chez AliExpress. C'est arrivé en 20 jours, je crois. Donc ça, c'est bon. Ça, il faut le mettre à ce niveau-là. Hop, c'est pas facile d'en pencher. Et là, ils me disent qu'il faut que je prenne un gris. Il est joli. Petit polochon. Petit polochon. On va le mettre là. Alors, ils me disent qu'il me faut un gris. Un jaune, apparemment. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de... Ah bah si, de jaune. Je cherchais un jaune transparent. Je sais pas pourquoi j'étais partie sur un transparent. Donc un gris, un jaune. Et un espèce de toit. Voilà. Donc ça, hop, enclenche ensemble. Et ça, par-dessus. Voilà. Et ça, on le met ici, en face. De ce côté-là. Voilà, alors pour en dessous il me faut une barre grise. Hop, je mets ça. Ça on va décaler là. Hop, il me faut ça. Il me faut deux petites barres grises. Je pense que c'est celui-là, oui. Est-ce qu'il y a une autre couleur? Les couleurs sont pas très belles sur le modèle, donc du coup c'est un peu compliqué. Donc on nous dit qu'il faut mettre celle-là en travers comme ça. Je vais tourner comme ça. Ah. Bah alors, ça ne veut pas rentrer, voilà. J'espère que la caméra va pas faire des siennes et couper comme ça arrive des fois. Alors, tac, tac, tac. Et ça... Ça va là-dessus. Et donc ça, je le laisse dans le même sens que sur le... Ça va là. Non, dans ce sens-là. C'est pas facile. Parce que eux, en fait, je sais pas comment ils l'ont mis. Là, c'est mis comme eux. Et ça, ça va pas dans ce sens-là d'ailleurs, ça va dans ce sens-là. Le petit toit, il va comme ça. Voilà. Après, il me faut un bleu. Un bleu, un blanc. Un rouge. Et bleu, blanc, rouge. La France, lol. Deux gris. Et une attache. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre. Alors, un gris là. Un gris ici. Non. Pas au bout, en décalé. J'ai
casse-pieds. En plus, je suis embêtée parce que j'ai un problème d'oreille. Je pense que j'ai chopé un bouchon, je sais pas quoi. Et ça m'embête. Du coup, quand je bouge la tête, ça me gêne. Donc là, ça va comme ça. Hop. Et le bleu, blanc, rouge, il va ici. Bleu au fond. Blanc. Et le rouge au bord. Voilà. Mais du coup, tant que j'ai pas de trépied, je peux pas vous mettre du coup en vue par au-dessus. Il faut vraiment que je me rachète ça, mais ça attendra début septembre. Là, financièrement, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Après, il nous faut l'arrondi rouge, l'angle rouge. Bon, toi, le petit polochon, on va te pousser. Et deux, hop, comme ça. Donc alors là, le plan est pas très très bien quand même. Donc là, il faut que je parte comme ça. Donc zou, un ici, là, celui qui fait l'angle, comme ça. De ce côté là, l'angle comme ça. Et en face, le rouge. Voilà. Un étage de fait. Voilà. Après, il nous faut jaune. Encore un angle rouge. Un comme ça. Trois jaunes. Alors. Ah bah non, non, non. Voilà, je cherchais le troisième jaune. Trois jaunes et un petit rouge. Voilà. Donc on fait quoi? On met un jaune sur un rouge. On met le jaune après. On dirait les couleurs de chez McDo. Après là, on met rien. Là, on met celui-là sur ça. Voilà, et celui-là sur l'angle qu'on a déjà fait. Donc là, il y a le petit truc qui dépasse. La petite rigole. Le petit carré, ils m'ont mis où le tout petit carré? Et là, un jaune. Et un jaune. Mais alors là, le tout petit carré, ils m'ont mis où? Ils m'ont demandé de prendre un tout petit carré, mais je vois pas où il a été mis. Ah si, il est là, voilà, c'est ça, ça se met là. Sur le schéma, c'est mal présenté. Donc, hop, voilà, ça se monte, hein. Ça grimpe. Alors, zone, l'angle jaune, une espèce de fenêtre, des jaunes un peu bizarres. Alors, il en faut deux comme ça, après il m'en faut un. Encore bizarre comme ça. Un normal. J'espère que vous voyez en fait. Je vais la reculer. Hop. Juste par là d'ailleurs. Ah, ça me gêne mon oreille. Si c'est pas passé demain, je crois que je vais appeler le médecin et demander s'il peut jeter un oeil. Ou ce que je peux faire. Donc on est à l'étape 7, donc là il dit que ça, ça va sur celui-là. Et que celui-là, alors je vais le mettre dans le même sens que il va au-dessus de celui-là. Voilà. Donc alors... ça va là, c'est bon ça, la porte elle va là, il y a un sens ou pas, le trou oui vers l'arrière, je sais pas si c'est un, voilà, et après alors, deux comme ça, les petits tétons sur le devant.
Et là, celui-là, il va là. Punaise. Voilà. On en est là. Donc je vais mettre dans le même sens que mon plan. Après, il nous faut une grande plaque rouge. Alors, c'est ma chaise qui craque, hein. Je suis désolée. Ça. Donc là, il faut ça, ça. Il me refaut un rouge avec un bord bizarre. Un petit carré rouge. Et deux tétons. Alors, je sais pas quelle couleur ils sont. A priori, ils sont gris ou transparents. C'est peut-être ça. J'ai deux violets là. Je sais pas si c'est ça. Ça doit être ça. J'ai des noirs, mais. Ouais, je pense que c'est les violets. On va mettre les violets. C'est à l'extérieur, donc au pire, donc ça, ça va là. Au pire, on pourra les changer. Ça va ouais, là. Mais alors, apparemment, faut mettre là. Je sais pas. Hop. Oups. Ah mince. Ouais, j'ai appuyé. Il faut tout maintenir en fait. La plaque rouge. Depuis l'arrière sur le devant, hop, ça, ça va au-dessus là, ça au bout de ce côté-là, et le petit carré rouge entre les deux. Voilà, j'espère que ça va bien rendre. Ça me paraissait très joli en photo. J'espère que du coup ça va bien rondre. Alors là, on a les autocollants pour coller sur les boutons. Enfin, ce qui sert de bouton. Ça se colle pas comme ça. Bon, alors je regarderai après parce qu'apparemment ils sont pas coupés. Donc il va falloir que je les coupe mieux que ça. Parce que sinon ils vont être trop grands. Donc là, tac. Une grande barre rouge, un, deux trucs rouges comme ça. Ah, mais je me suis peut-être trompée. Parce qu'en fait, je suis en train de m'apercevoir que là, c'est pas bien lisse. Et à mon avis, c'était parce que là, il y avait deux comme ça, mais ouais. Alors, je vais couper et je vous reprends après. Je remets la bonne pièce à son bon endroit. Alors voilà, je vous reprends, ça y est. En fait, c'est parce qu'il fallait que ça fasse bien lisse à cet endroit-là. En fait, c'est juste pour ça. Donc du coup, j'ai remis. Donc ces deux-là, il me faut les deux blancs pareils. Et un autre petit blanc qui est là. Voilà. Donc il faut mettre le grand rouge. Donc ça c'est le devant. C'est derrière là. Hop. Ça. Comme ça. Non, c'est là. Parce que je vois pas bien sur le modèle comment c'est fait. La barre apparemment, elle est là. Là. Parce que là, on voit qu'il y a un trou de ce côté-là. Et ça, quand on met le blond, il doit y avoir que les deux petits trous. Voilà. Parfait. De l'autre côté. C'est la même. C'est ça, voilà, derrière la pancarte.
Celui-là, il vient ici. Et là. Voilà, là tout est bien enclenché. Maintenant, une plateforme bleue. Deux. Excusez-moi. Et du jaune. Donc sur la pente, sur celui-là, là, il faudra coller l'autocollant. Pour le bouton, j'ai regardé hors vidéo, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas l'enlever. Qu'on est obligé de coller tout l'ensemble. Du coup, ça me paraît beaucoup trop large par rapport au bouton. Ouais, c'est ce qui se passe là aussi. Ils ont laissé, vous voyez, une partie. Et puis là, je vais revenir sur la main. Ah, c'est bien, c'est bon. Donc ça, je vais couper. Ce qui est trop large. Donc ça, par contre, c'est pas très bien fait, mais bon. Pour les deux ronds, là, je vais réduire au maximum. Hop, je vais prendre la petite pince qui est à côté de moi. Je vais le mettre comme je vais pouvoir. Hop. Voilà. C'était pas parfait, parfait, mais c'est pas grave. Pourtant, j'ai l'impression quand on regarde le plastique qu'il y a la coupure pour. Ah oui, pour la coupure. Donc. Pour faire le bouton, mais je sais pas. Quand on appuie, ça se fait pas. Donc, allez hop. Désolé, du coup, hop. J'espère que vous m'entendrez assez bien. Sinon, monsieur, il remontera le son. Parce que nous, on a la petite qui fait dodo. Donc, je ne peux pas parler trop fort. Voilà, tous les autocollants comme ça sont mis. On est ok. Hop. Donc alors, il nous fallait les parties bleues. Et la pancarte avec l'autocollant. Donc, il faut que je mette une partie bleue là. L'autre partie là. Allez. Purée, tu vas t'enclencher toi. Oh là là. Pourquoi il y a des endroits. Ah, il faut vraiment forcer pour bien que ça s'enclenche. Hein. Et pour le prix, je vais vous le donner après. Je ne vais pas donner. Donc ça vient de chez AliExpress. Et il faudra que je vous donne le prix après. Donc après, ils nous disent ce qu'il nous faut. Le polochon. Et on a eu, c'est quoi, une petite tortue. Une micro tortue, alors attendez. Non, une grenouille. Une grenouille. Ça fait pas le focus. Et là, c'est un peu le chou. Alors, ils disent que il me faut 3 blancs comme ça. 3, un carré blanc. Les deux bestioles. Un comme ça, tout transparent. Et un comme ça, d'accord, on est bon. Donc, celui-là il va là derrière comme ça. Alors le petit transparent il va de ce côté là. Non. Non, de ce côté là. Je suis pas en train de regarder. De ce côté là.
Celui-là, le blanc, il va de ce côté-là. Non, le bord, il est dans le sens. Il n'y a pas de bord, donc c'est dans le sens. Voilà. Voilà. Et là, ils mettent... Alors, comment qu'ils mettent? J'aurais dû peut-être les mettre avant. Non, c'est bon, ça se met. Et là, la grenouille, elle est censée aller à côté. Eh ben, censée, parce que alors là, mon problème, ça va pas tenir. On met déjà la grenouille. Ça, c'est pas facile. Et mince. Alors, je sais pas si. Ils ont l'air d'être enclenchés. Hein. Je sais pas, ils les posent juste. Non, non, ils ont l'air d'être enclenchés. Hein. Alors là, c'est clair et net que je peux pas passer la grenouille. On va juste la poser à côté. Hein. Si je peux pas l'approcher, ça va finir. Bon, déjà, hop. Pas passer une heure à essayer d'accrocher deux trucs, hein. C'est bon. C'est ça, il faut juste les poser parce que ça n'a pas l'air de s'enclencher. Bon. De toute façon, après, on va mettre un truc. Ça, ça va devant comme ça déjà. Ça, ça revient là. Voilà. Donc là, ils me disent de reprendre un comme ça. Deux transparents et un petit bitonio comme ça, donc lui devant. Ah oui, donc à mon avis ça se balade dedans parce que dès que je remets ça de toute façon ça ferme. Ah mince, par contre il est pas dans le bon sens. Alors je suis en train de galérer. Hop, c'est bon. Et un gris, un transparent plutôt, pas des gris. Et celui-là, et un là, et un là. Voilà. Après, faut mettre un noir de ce côté-là, et il faut remettre une manette. Hop. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Deux plaques rouges au-dessus. Voilà. Et voilà, il est fini d'être construit. Bon, en fait, moi je le voyais plus fun que ça. Hein. C'est pas grave. Il est très joli. Alors, par contre, les trucs en bas là, je vois pas de quel intérêt. Les trucs qu'on a mis derrière là, je vois pas trop d'intérêt. Ça là, sur le côté, je vois pas l'intérêt. Je vous prends de mon téléphone parce que la caméra avait coupé. Il n'y a plus de place sur ma carte. Donc voilà. Donc, franchement, sur le site, il me paraît. C'est beaucoup plus beau. Je l'ai payé 4 euros. Ah, j'ai oublié de mettre le téton qui va là. Voilà. Au niveau reste, il en reste pas, quoi. Il me reste un petit point noir, je sais pas.
Alors ça, je pense que du coup, les tétons sur les côtés, il y a d'autres à racheter. Donc ça doit tous s'enfiler ensemble. Ouais, pour 4 euros, c'est pas trop mal, franchement. Mais je m'attendais un petit peu à mieux. Et puis, les trucs en dessous, là, je vois pas trop à quoi ça sert. Mais bon. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.